Bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Paul, moi, je me suis noté une question. J'aimerais savoir, en fait, d'où vient le raisin? Hein? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vu de fleurs sur une vigne, et c'est un fruit, non? Le raisin, c'est un fruit. La vigne, c'est une plante qui produit des fruits. Donc, il faut des fleurs, comme toutes les plantes à fruits. Donc, nous sommes aujourd'hui revenus les pieds dans la terre. À nouveau. Et je te montre que nous sommes devant un pied de vigne qui est en fleur. Je vais donc t'expliquer la fleur de vigne. Mais d'abord, je tiens à te montrer quelque chose de très important que peu de gens savent, parce qu'on n'a pas la curiosité de le faire sans. C'est une merveille de la nature, la fleur de vigne. C'est très fin. D'ailleurs, très à tel point, certains font... Il y a des produits à base de... Tout à fait, il y a une gamme dont nous tairons le nom. J'ai entendu parler, oui. Donc, nous sommes devant notre pied de vigne, que nous avons taillé en gobelet. Nous avons nos fleurs, et je te montre les fameuses deux grappes qu'on a laissé au moment de la taille sur chaque rameau, je m'en rappelle. Sur chaque rameau, qui sont là actuellement en fleurs. D'ailleurs, je vous remettrai le lien en bas de la vidéo pour revoir la partie taille de la vigne. Petite parenthèse. Là, nous avons à chaque petite boule que tu vois ce que l'on appelle une fleur, d'accord ? Certaines n'ont pas encore commencé à fleurir. Celles qui ont commencé à fleurir, tu devines les étamines, les petites tiges avec une légère boule au-dessus. Donc en fait, chaque petite boule s'ouvre et donne toutes ces étamines qui sont... là, c'est pas encore en fleur ou c'est la fleur déjà. Étamines plus pistil, puisque nous sommes sur une plante hermaphrodite, c'est-à-dire qui comporte les deux sexes sur le même pied. Les étamines, c'est le pollen. Le pistil va recevoir le pollen, se féconder et devenir un grain de raisin. Et donc à la fin, chaque petite boule deviendra un grain de raisin. Qui, sur l'ensemble de la hampe florale, deviendra une grappe de raisin. Que l'on pourra presser et faire et boire. Soit en blanc, soit en rosé, ça je vous laisse deviner. Il y a aussi une vidéo d'ailleurs sur la couleur du vin, sur le site Veravino. Très bien, Paul. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à savoir sur... Bien sûr. Là, nous sommes au stade fleur, au mois de juin. Nous allons passer du stade fleur à la nouaison, c'est-à-dire que les grains vont se former suite à la fécondation. Oui. Cette fécondation s'appelle la nouaison. C'est pour cela que le viticulteur va essimer ses vignes pour que toute l'énergie produite par les feuilles, qui sont des usines à énergie, puisse être dirigée vers la fleur et non vers la poussée de la vigne. Pourquoi faisons-nous ça? Parce qu'on a observé qu'en essimant les vignes, on a une meilleure floraison, une meilleure nouaison, et donc on élimine deux maladies physiologiques de la vigne qui sont la coulure, c'est-à-dire la fleur mais sans fruit, et le mirandage qui est des fruits mais de manière partielle, c'est-à-dire que l'on va retrouver des grappes qui ont, au lieu d'avoir 70 grains de raisin, on va avoir que 20. Donc tu imagines bien que le rendement baisse autant. Donc en fait, à partir du moment où tu as la floraison, tu coupes l'extrémité des tiges, des lianes, je ne sais pas quel terme exact, pour pas que l'énergie aille dans la croissance de la liane, etc. Je parle avec mes mots. Et donc l'énergie qui n'est pas utilisée pour croître va revenir dans les grains de raisin, dans la grappe. Fleur. Vers la fleur. Vers la fleur, à cette époque-là de l'année, dans la fleur. Voilà. Et donc c'est là où on va accélérer et améliorer la croissance de la grappe in fine. Ensuite, nouaison obtenue, on va avoir des tout petits grains de raisin. Baladez-vous dans les vignes et regardez, des petits grains de raisin qui vont être en croissance jusque grosso modo la mi-août. À la mi-août, on a un phénomène qui s'appelle la véraison, c'est-à-dire que les raisins qui ont des couleurs de raisin blanc vont devenir de vert à jaune, blanc, translucide, et les raisins qui vont vers les raisins rouges deviendront de vert à rouge. Ça s'appelle la véraison. Et ensuite, on a la maturation du raisin et les vendanges, bon, etc. Ça... Mais c'était ce qui était important pour moi, c'était de bien vous expliquer que vous êtes devant une plante à fleurs. D'accord. Très bien, Paul. Eh bien, écoute, merci.
Alors avant de terminer complètement la vidéo, j'aurais une question, puisque j'ai créé il y a quelques jours une page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sous le lien sous la vidéo pour pouvoir accéder à cette page Facebook pour nous suivre. Et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous allez pouvoir être au courant sur votre profil Facebook. Et sur cette page Facebook, Vera Vino, j'ai mis un sondage. Et on a un fameux Lionel qui a posé une question, puisque ce sondage, c'est quels sont les... vous, en tant que débutant, moi, je suis débutant, donc c'est un peu l'idée de Vera Vino, c'est en tant que débutant, quelles sont les questions que l'on se pose par rapport... Bon, aujourd'hui, on est dans la vigne, mais de manière globale, par rapport au vin. Donc, il y a Lionel qui a posé une question. Si j'ai bien compris, depuis quelque temps, il y a la mode du vin dit minéral. Alors Paul, j'aimerais savoir en fait pourquoi on dit qu'un vin est minéral et comment en fait est-ce qu'il est minéral. La minéralité, donc je vais me baisser, la minéralité dans l'absolu, c'est ça, ça vient de la terre. Bon. C'est un terme que l'on emploie actuellement de manière un peu galvaudée, car la minéralité, à la base, on peut l'assimiler à soit un cépage, je prends l'exemple du Sauvignon, qui a des connotations minérales dans le sens où il sent la pierre à fusil. D'accord. Ça sent le schiste. Ça, quand le ce silex. Cépage est transformé en vin, quand on va goûter le vin, on va sentir des arômes dits minéraux. Voilà. Okay. Par extension, les vieux vins, étant donné qu'ils viennent de la terre, les vins vont partir sur leur côté minéral. Donc on va se retrouver avec des arômes qui sentent le sol, la terre. D'ailleurs, ça, je fais juste une coupure, excuse-moi, je te coupe souvent, mais lorsque tu feras tes ateliers d'œnologie, je me rappelle d'un atelier où tu avais expliqué justement l'évolution du goût jusqu'à la minéralité. Tout à fait. Donc ce sera l'occasion aussi pour un vin qui peut 4 ou 5 ans, et pour des grands vins, une cinquantaine d'années. Et cette minéralité actuellement est plutôt galvaudée sur le sens j'ai peu d'arômes, une fraîcheur, une acidité en bouche, donc je suis minéral. Personnellement, c'est pas ça pour moi la minéralité. Et j'ai un peu tendance à dire que quand ça sent rien, que ça n'a pas de goût, le vin est minéral. Donc en fait, ce serait quoi ? Ce serait de dire les vins qui ont vieilli, donc ils ont logiquement pour certains cépages une minéralité, mais lorsque le vin est jeune, il n'y a pas de raison qu'il soit minéral, c'est plus, entre guillemets, ça pourrait être une absence d'arôme lié à quoi ? D'où vient ce goût dit minéral pour les vins jeunes ? D'une mode comme de faire des vins très pâles pour les vins rosés. C'est une tendance, c'est une tendance du vocabulaire à vouloir exprimer un vin sur une base qui n'est pas vraiment comprise par tout le monde. La minéralité, c'est clair et net, c'est soit le cépage il sent comme le Sauvignon, le silex, soit en bouche on a quelque chose de minéral, c'est-à-dire qu'on a ces goûts qui soient soit sur des côtés très frais ou des côtés un peu terreux, etc. Mais la minéralité, on ne peut pas l'inventer en disant que c'est un caractère de manière générale sur des vins qui n'ont aucune odeur et aucun goût. Voilà. Ok Paul. Écoute Lionel, j'espère que la réponse t'aura convenu. C'est voilà la peine, l'opinion de Paul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En dessous, vous avez le lien pour accéder à la page Facebook et renseigner sur le sondage les questions qui vous semblent importantes pour démarrer dans la dégustation du vin. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir Jérôme. Au revoir Paul. Ha ha ha.